Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de combat en PVP, en Coliseum plus précisément, avec ma roublard. Donc c'est parti. Ok, on va faire ça. Tac. Hop. On va leur dire bonsoir, bonsoir. Hop. Encore un PM pour pouvoir me toucher. Ah non, il était dans la digue. Oh, j'ai même pas vu. Ouais, donc du coup, ça va être plus dur au niveau des raises. J'ai 48 d'esquive, mais je pense qu'il a. Pff, moins 2. Un FK 10-6, level 130, avec moins 6 de résistance. Tiens, bon, au moins, il pourra pas les placer. Par contre, il y a un autre Zobal. Bon, ils ont pas de debuff. Le gros avantage, c'est qu'on peut jouer érosion. On a un EK et moi. Donc, directement. Mais pourquoi ce Cry se booste tout seul en PO? Te booste solo. Alors. Bon bah 153. Oui, enfin on a bien vu. On a bien vu. Alors. Ouais, bon, j'ai pas fait trop le tour. On a un Kra one shot. 148 en melou en 10-5. On a Erosha en 12-5. Je sais pas du tout quel élément il est. Et en face, Feka 10-6-131. Je suppose terre. Zozo 11-6. Je suppose terre aussi. Et un Kra. Il va nous faire quoi? Une zone érosion? Une roulette. 5 PO. 5 PO, c'est bien pour un roublard. Et un petit chacha. Il m'ennuie un petit peu, le chat. Il m'ennuie un peu. Allez, un bouclier. Voilà, un plastron. Easy, le plastron. Et une diffraction. Ouf. Diffraction est pas exceptionnelle. Moi, je vais garder mes bombes pour plus tard. Alors, je vais foutre un. Je sais pas si j'ai 3 cases. Yep. Ah, oh, je peux pas. Alors. Pour l'instant, on va faire ça. Et. Bon, ce sera tout. Pas de toute façon faire grand chose de plus à part un peu d'érosion, mais ce sera quasiment rien. Bon, au prochain tour déjà j'ai la surcharge, il sera obligé d'aller au fond. Voilà, ça m'arrange, il tape pas. Ok, bon bah tant mieux. Allez, ne tape pas petit crâne. Bon bah donc je disais, j'avais bien réfléchi avec ma roublarde, je vais continuer là un petit peu de colis de temps en temps, mais je vais l'up sur l'officiel et je vais monter 150. Je pense que ce sera le mieux, puis ça me donne envie. Puis mon Vulbis il attendra. Hein. Là je me suis fait 100 millions, je sais pas quoi en faire. Je vais les mettre sur la roue, je vais me faire un petit stuff sympa. On va voir si ça donne bien. Parce que je me fais des camades en ce moment, mais j'essaye. Bon, je me connecte. Enfin, vous savez, je travaille aussi, donc je travaille toute la journée, tous les jours, sauf le week-end. Donc les vidéos, en fait, en général, ce que je fais, c'est que je fais une vidéo et je déco. Ou alors je fais un peu de AVA ou des trucs comme ça. Mais je reste pas souvent, enfin, trop longtemps. C'est juste pour, je fais une petite vidéo parce que ça me fait plaisir, etc. Et puis après, bah, je joue un petit peu, puis je déco, quoi. C'est pour garder la bonne humeur, etc. Il est fou, lui, mais complètement. J'ai un debuff, mais le mec, il rush. Y a pas de souci. Et du retour du bâton. Oh bah super. Goero. Goérosion. Si on tombe le Feka. Non mais. Il y a un Kra, le mec, il y a. Enfin, il y a un Feka à côté. Ouais, quoi que c'est vrai, je peux m'en occuper aussi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour péter cette bombe? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Non, pas deux, ça sert à rien. Bon. Tu te mets au cac. Ouais. Un seul, ça suffit. Oula, non!
Il a un réflexe level 1. Ah oui, d'accord, forcément. C'est dur. Non, mais colle-toi à lui. Je comprends pas. Pourquoi tant de méchanceté comme ça? Ouais, par contre, j'ai perdu un peu de vie, mais avec la diffraction, ça va. Ouh, le Tortoruga. Bon, yes. Oui, tu ma bombe. Tout ma bombe. Tout là. Alors. Ouh, il tacle bien. Ouais. Alors par contre, je sais pas si je l'ai. Hop. Ouais, j'ai l'aimantation. Yes. Hop. Voilà, un petit peu d'érosion, ça fera pas de mal. 2000 de vie. Bah parfait. Donc voilà. Ouais, en fait, je vais reprendre le PVP level 150, donc je vais essayer, je vais m'opti, comme ça je pourrais mettre aussi tous les trophées que je veux, sans souci, sans limite. J'aurai pas la barrière des trophées. S'il te plaît, le pousse pas. Voilà, parfait, cra. Allez, envoie-nous ta punitive. Envoie-nous le pâté. C'est bon ça. 1700 de vie de base. Moi je dis perfect. Et moins 3 PM, il va peut-être en perdre un dans ma glyphe. Il va devoir roxer. Voilà. C'est parfait tout ça. Que fait-il? Il va s'immu? Ah non, il m'enlève des PA. Est-ce que tu vas t'immu? Ouh, le moins 3 et moins 3 là, il fait mal. Hein. Mais bon, en même temps, j'ai mis de l'esquive PM et pas PA. Enfin, ça m'enlève du PA du coup. Du coup, il me reste 8 PA. Je peux faire une aimantation, une roublardise. Ouais, RDS, parfait. Quoique c'était au tour 3, donc nos tours 4. Ok. 50 CC. Bon, c'était pas forcément utile. Je sais pas si c'est en état de surcharge ou pas, les bombes. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, là, au niveau érosion, c'est malade. Planque-toi. 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 Oula. Il a cessé. Ouais. Moi, je me serais pas mis là, forcément, mais. Mais ça ira très bien. Alors, est-ce qu'on va. Alors, on va voir si les bombes sont en état surcharge ou pas. Il veut roxer? Non, cabriole, boliche. Et rien du tout. Flemish. Maîtrise. Je sais pas trop. Alors, que vas-tu faire? Oui, parfait. Alors. Alors, on va faire ça. Ici, en tourloupe. Yep, adios. Voilà, ça c'est fait. Oui. Et donc voilà. Wouh! Bon bah c'était bien ça. C'était sympa. Ça a fait mal. Ouh, moins 2 PM. Parce qu'il s'est fait tacler. Oh bah ok, il a abandonné aussi. Bon bah voilà, au moins un combat au niveau de l'érosion, ça c'est clair, hein, c'est réglé. Hein. Ouh. Ça picote l'érosion, messieurs. Eh oui, c'est comme ça. Alors, que vas-tu nous faire, Kra? Que vas-tu nous faire? Bon, en tout cas, maintenant j'ai hâte de l'avoir 150 et de vraiment faire un truc sympa. Bon, en tout cas, là je vais chercher à faire un stuff de folie. Je vais chercher à faire un stuff de fou. Je sais pas encore quel élément je vais faire.
Il me reste que le parchotage terre à faire pour finir. Mais après, au niveau des sorts, je pense que ça ira. Faudra un exo, deux exos. Avec 100 millions, ouais, ça devrait le faire. Ça va être Tendax quand même, mais. Est-ce qu'il y a des résistances fixes? C'est parfait, l'érosion. Quoique les bullish, d'un autre côté, ça va pas. Pas mal le rocks, là. On va l'obliger à rester là. Oh, le chaton. Oula! J'avais complètement zappé qui jouait. Bon, il va me rock, c'est moi, hein. Il va se mettre ici là et il va me bullish. Non, il va libé. Voilà, bullish, bullish. Bullish, bullish. Trop flagrant. Trop flagrant. Mais bon, ça rocks, hein. Ça rocks, les bullish. Les bullish. Bonus 50 dommages, on va s'en servir. Hop. Yep. Ici, comme ça au niveau d'Opu, il aura du mal. Bon, là une petite punie qui va faire mal, qui va picoter, je sais pas s'il est boosté. 900! Yo! Salut! Bonjour! En tout cas, ça fait mal. 265 et. Et pas de vol de PM. Bon, il va reculer peut-être le Kra, quand même. Pas se mettre en zone d'Opu. Bon, là ça va. Ouais, il pourra pas. Enfin, difficilement. Il veut juste aller mettre du top cage. Oh, encore une 50 dommages. Il va aller se mettre ici et boum boum. Voilà, tranquillou. Un petit colis easy. Rapidement, comme il se doit. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce combat vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde!